Salut, peux-tu te présenter? Es-tu membre d'une organisation politique? Si oui, bon, laquelle? Dans quelle université est-ce que tu étudies en France? Alors, je m'appelle Victor Mendez, je suis étudiant à Nanterre, militant au NPA et syndiqué à l'UNEF, TACLE. D'accord. Donc le mouvement en France attire l'attention un petit peu dans toute l'Europe. Quelles sont les mesures de Macron que vous combattez? Est-ce que tu peux décrire rapidement les réformes qu'il propose pour le système éducatif en France et pour d'autres secteurs? Alors, le projet du gouvernement de Macron, c'est d'instaurer une sélection à l'entrée de l'université. Donc en France, contrairement à d'autres pays, le mouvement étudiant a réussi à faire reculer à plusieurs reprises dans l'histoire des mesures qui visaient en fait à restreindre l'accès des classes populaires, des classes travailleuses à l'université, en imposant en fait des critères pour pouvoir rentrer. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, dans la loi, dans le code de l'éducation, c'était inscrit que toute personne qui faisait une demande à l'université pouvait avoir de fait, par défaut, une place dans la fac et la filière de son choix. Ce n'est pas exactement le cas dans la vraie vie, mais avec la réforme de Macron, ce droit est totalement supprimé et les universités publiques aujourd'hui peuvent choisir que les meilleurs étudiants. La conséquence concrète, c'est que vous avez des étudiants qui viennent de banlieues, qui viennent de quartiers populaires, qui se retrouvent en fait en dehors de l'université, qui se retrouvent refusés dans tous leurs choix, ou qui se retrouvent par exemple en liste d'attente, dans des listes d'attente interminables où ils savent qu'ils n'auront jamais de place. Et surtout, ils n'auront pas de place dans les filières choisies, qui souvent sont les filières voilà, que les étudiants pensent qui vont leur permettre d'avoir le plus accès au travail ou autre. Et donc, le but de cette réforme, in fine, en réalité, c'est de à la fois restreindre l'accès à l'université, donc diminuer le nombre d'étudiants et pouvoir faire des économies sur le service public qu'est l'université, mais aussi d'adapter les formations de l'université aux intérêts des capitalistes et du patronat pour pouvoir justement en fait mieux répondre aux intérêts du patronat en termes de marché du travail et empêcher en réalité les enfants d'ouvriers qui auraient moins de capacités intellectuelles et autres, pour pouvoir, intellectuelles en tout cas, pour les capacités qui sont exigées par les capitalistes, pour pouvoir accéder aux filières de leur choix, quoi.